présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse, immense que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et heureux auprès de toi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de foi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Levez-moi, dit chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Amen. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité et foi, Qu'en faiblit mon courage, Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Amen. Viens Jésus et demeure auprès. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Oui, c'est sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. De tout ce qu'il a dit, Dieu a parlé une fois, deux fois. Et j'entends ceci, c'est la puissance, c'est que la puissance appartient à l'Éternel. Par conséquent, je crois que toute parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu lui-même, si elle est Dieu, elle ne peut mentir. Toute promesse de Dieu pour ma vie s'accomplira sûrement. En faisant cette confession, je déclare au diable que je ne suis pas ignorant de ce que je suis en Christ. Je suis né de nouveau et j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, je suis assis avec lui là-haut, au-dessus du monde des ténèbres, dans les lieux célestes. Je suis un saint, j'appartiens à Dieu. Je suis un roi et un serviteur royal, appelé au service de Dieu. Jésus m'a racheté avec son sang précieux et irrépréhensible
et m'a fait passer du royaume des ténèbres pour son royaume de lumière, de paix et de vie abondante. Je me tiens sur la victoire de Jésus sur Satan et sur la mort de l'enfer, car il est écrit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre et arracha au diable tout son pouvoir. Et il est monté en haut pour rendre la captivité captive et fit des dons aux hommes pour sa victoire, que tout rassemblement des pouvoirs des ténèbres qui sont contre ma vie de prière, mon succès et ma percée soient mis en défaite par le sang de Jésus. Le jour où j'ai complètement donné ma vie à Jésus, j'ai soumis ma vie à l'Éternel des armées. Par conséquent, Satan, j'ai l'autorité pour te résister et à tes attaques contre ma relation saine avec mon Créateur Jéhovah Dieu. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis descendu. Je suis devenu descendant d'Abraham. Les bénédictions d'Abraham sont à moi. Oui. Les Écritures disent que je suis béni avec le fidèle d'Abraham. Je suis héritier de toutes les bénédictions célestes de Dieu. Il est écrit que Dieu a béni ses enfants avec la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. L'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. Il me donna la grâce et la gloire. Aucun bien ne manquera à ceux qui marchent dans la droiture. Les Écritures disent que si je demande, je recevrai. Je demande et par la foi, je reçois la grâce, la gloire et les cieux ouverts de Dieu. L'Éternel Jéhovah est tout suffisant. La Bible dit qu'il est le plus que notre suffisant. Je demande l'abondance divine dans tout domaine de ma vie. Je la reçois par la foi. Je la confesse et reçois par la foi. Mes prières sont d'une agréable odeur de la présence de Dieu. Je demande et je reçois sa grâce et son feu pour m'incliner, comme il est écrit, et sur une couronne de gloire de la main, un diadème royal dans la main de mon Créateur. Je commence à briller comme une lumière éclatante. La lumière de Dieu est en moi. Les ténèbres ne peuvent pas demeurer en moi et ne peuvent pas me couvrir. La lumière de Dieu sera vue sur moi sous les yeux. Tous les yeux la verront. Partout où je vais, je tiendrai toujours la tête haute. Même quand les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité des nations, l'Éternel se lèvera pour moi et sa gloire sera vue sur moi. Je serai vu et je rayonnerai. Mon cœur vibrera de joie par l'abondance et l'immensité de la richesse de la mer qui se tournera vers moi. Les nations viendront à moi avec leurs trésors. Les étrangers bâtiront des maisons pour moi et leurs rois s'y soumettront de la colère de Dieu. Il m'a frappé, mais dans sa bonté, sa miséricorde, son plaisir, il exerce sa compassion et son amour envers moi. Les fils de ceux qui m'ont affligé viendront se prosterner devant moi, et tous ceux qui m'ont méprisé viendront se prosterner à mes pieds. Ils m'appelleront la ville de l'Éternel, Sion et le Saint d'Israël, bien que j'ai été abandonné et haï pour qu'aucun bien ne m'atteigne. Dieu fera de moi une gloire éternelle, une joie d'âge en âge. Je mangerai les trésors des nations et des païens, et je me vanterai de leur gloire, et tous verront, ne reconnaîtront que je suis la postérité que Dieu a bénie. Dieu a parlé à ma vie, je le crois, et je commence à le manifester. Je ne suis point un vaincu. Je serai toujours la tête et non la queue. Je demeurerai au sommet de la montagne et non dans la vallée. Je ne vais plus expérimenter le cas de la montagne du Pisga. Je ne vais plus échouer ni être au-dessus à la veille des miracles désirés, le succès et la victoire, car le sang de l'agneau m'a lavé de toute marque de la sorcellerie, la haine, la jalousie, de l'envoûtement et de l'envie. J'écrase sous mes pieds tout serpent de tricherie, de mauvais rapports, d'accusations, de machinations et de critiques. Aucun soleil du méchant ne se tiendra contre moi. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Toute âme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élève contre moi en justice est déjà condamnée. Par conséquent, je déchire par la foi toute mur spirituel entre moi et mes secours divins, opportuns et mes bienfaiteurs. Tout de suite, je me tiens sur ma position en tant qu'enfant de Dieu, Jéhovah, gloire à Jésus de Nazareth, ordonné à régner comme roi sur la terre. Et j'ordonne que la saveur de la faveur divine me remplisse. Dieu a mis sa parole dans ma bouche.
comme une arme de destruction et de restauration, j'utilise ce pouvoir pour prononcer, déclarer la destruction des agents du diable assignés pour dévier et empêcher mes bénédictions. J'utilise la même arme pour décréter la restauration sur ma vie. Il est écrit que je dois oublier les choses passées. Je ferai une nouvelle chose dans ma vie et elle apparaîtra. Maintenant, je demande que les bonnes choses commencent à apparaître dans ma famille, dans mes affaires, dans mes finances et dans ma vie spirituelle. L'Éternel fera briller sa face sur moi toujours et me fera grâce. Sa lumière brillera sur mon sentier et sa faveur m'accompagnera tous les jours de ma vie. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu, bénis nos familles, prière dimensionnelle et cette déclaration. Et vous accompagne, qui déclaration ça capable d'accompagner pendant toute journée, hein. Que le Seigneur bénit, qui bon Dieu avec vous, déjà 16e jour dans l'année, dans le mois, 11e mois, année, nous bénit, bon Dieu, nous bénit, bon Dieu, gloire. Que le Seigneur bénit, qui bon Dieu avec vous, qui déclaration, qui parole ça y est, qu'on va le retendre encore, et pour faire route dans la vie ou dans le nom de Jésus. Bon Dieu bénit, bon Dieu avec vous, nous vous passons une très bonne journée, que le Seigneur accompagne vous, à plus tard. Bon Dieu bénit. Béni soit l'Éternel, nous bénit le Seigneur, nous dit bon Dieu merci. Pour présence, l'État avec nous, dans un moment de prière de dimension, ça, à la gloire de Dieu. Et je crois que moi béni, ou même, ou béni tout, dans la prière qui se fait là, à la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour présence, les Père, Fils, Saint-Esprit, qui est avec nous, solennellement, et qui t'a béni, ou quel que soit côté où t'es branché. Nous remercions, ou même, qui t'es partagé, ou même, qui t'es like. Nous remercions, ou même, qui fait qu'abonner avec nous, et où tout fait partie de famille, prière dimensionnelle. Merci à chaque fois, c'est ce bien-aimé qui baille offrande, non, service là. Parce que le bayo offrande, ou permettre que si moun yo dans l'école prière dimensionnelle là, non bayo matériel scolaire. Le bayo offrande dans prière dimensionnelle, ou permettre que nous payer professeur yo, ou ap gade la kapanseye ti moun yo. Le bayo offrande dans prière dimensionnelle, ou permettre que dans récréation, nous bayo ti moun yo en plat chaud. Parce que l'école là, en dehors, ti moun pa vin l'école à boîte. Mais chaque fois qu'on baille donation à l'Éternel, chaque fois déposer offrande sur l'autel de Dieu, dans la prière dimensionnelle, on peut mettre que nous faisons tout travail ça yo à la gloire de Dieu. Payer professeur, habiller Timounio baille uniforme, chaussettes souliers, baille au matériel scolaire, et dans la récréation, Timounio jeune plat chaud pour le manger à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur avec vous, et ou même qui voulez baille donation, ou capable baille via Zelle Kachap, 929-363-1796. Ou même qui voulait bailler donation, on va faire ça Kounia via Zelle Kachap 929-363-1796. Si vous voulez bailler donation, vous voulez bailler offrande à le Seigneur pour être capable de bailler tout le monde en plat chaud, pour être capable de bailler tout le monde en cahier, plume, crayon, souliers, chaussettes, uniforme à la gloire de Dieu, eh bien, vous êtes capable de relayer sous numéro non, qui c'est plus 509-37-77-53-96. Bon Dieu bénis, bon Dieu avec vous, nous comptons parce qu'on est avec nous sous l'ignant à la gloire de Dieu. À bientôt. Bon Dieu bénisse, bon Dieu avec vous. Amen. Merci, prière dimensionnelle. Merci, prière dimensionnelle. Merci, Père, on dit Père, oui. Bénisse.